Bonjour tout le monde, bienvenue dans Parmi ça ma volakay. En fait, information que nous tombé, qui fait tomber, là, t'as fait qu'on est que pays Corée du Nord, il m'est amené à une nouvelle round guerre avec, en fait, une nouvelle guerre justement, dans l'objectif pour t'as fini avec les États-Unis. En fait, on boba à la bien. Ambassade Corée du Nord, qui trouvait à Moscou, menacée pour utiliser les armes nucléaires contre les États-Unis. Et vous faites qu'on est, de manière particulière, c'est pral, c'est un événement sensationnel, événement ça. En fait, c'est un state, en fait, monde qui prime bas information ça, c'est un state agency de la Russie qui reporte. Rapport ça qui sorti de TSS, une nouvelle agency qui largement qui servit un outil de propagande dans le Kremlin, il fait comprendre que l'ambassade là voyait menace ça dans la forme de une déclaration qui a été faite dans le week-end qui s'est passé. Il a répété mot tout, mot pour mot, ça a Nord-Corée a dit. Il dit, en fait, en parlant de Kim Jong-un, il fait connaître que année ça, militaires américains y a exercé un ensemble de manœuvre militaire avec Corée du Sud, tout collé-collé avec Corée du Nord. Dans l'objectif, justement, pour yota frapper Corée du Nord rapide. Dit, pour comprendre ce qui a passé là, déclaration ça a vini, parce que Corée du Nord a toujours été fait mal, chaque fois que la Corée du Sud mettait ensemble avec les États-Unis, il a fait des exercices ensemble. C'est toujours une tête fait mal liée. Donc, ça qui expliquait menace de guerre ça. Donc, il faut comprendre que une nouvelle onde de guerre a ajouté une sensation, un événement sensationnel dans l'histoire de l'humanité. Il a mis une fin de un empire et empire ça c'est les États-Unis. C'est toujours autorité en Corée du Nord qui a parlé. Pendant que déclaration ça nous bien dit c'est Kremlin qui reporte il y a grand temps mettre le dehors surtout et 25 juin ça veut dire un jour avant 25 juin 25 juin comprendre bien c'est une date importante qui marque 70e anniversaire de la guerre coréenne guerre de Corée qui était commencé 25 juin 1950 lorsque et la Chine, renforcée par la Russie, eh bien, était supportée Corée du Nord qui était envahi le Sud, en parlant de Corée du Sud, à peu près une semaine, eh bien, les États-Unis étaient entrés dans la bataille là pour te supporter Corée du Sud et qu'ils te fait comprendre que c'était une bataille qu'ils t'ont fait contre le communisme. Donc, ces derniers jours, en fait, pour marquer le moment ça, nous cap demain, cap 25 juin, eh bien, Empire de Corée du Nord, là, ces derniers jours, on va remarquer, yo parle en pile, yo parle en pile très vocal, parce qu'il faut comprendre que Corée du Nord a un problème tout quelque part. Pas jamais gagné avec ce type, pas gagné qu'un adoucement, yo assouplissement dans l'embargo, ils te font bon espoir. Et c'est surtout Corée du Sud qui te fait le promesse que bah, yo va le passer bien. Et bout pour bout, parle en pile. En pile déplacement, on va venir aux États-Unis, à l'autre côté. Tout s'est pouflé. Pas rien. Situation aurait été en face. Et on va voir que Corée du Nord, ces derniers jours, a agi sérieusement. Nous te rapportons la fois dernière que le sauté, éclaté. Eh bien, yon immeuble qui t'est servi, yon point névralgique de négociation et d'unité. Il était éclaté. De toute façon, vous dites que Kounia a l'enragé, il n'y a pas. Ok? Donc, yon parle en pile effort que yon fait contre. Ces derniers jours, yon dit yon parle des ennemis yon, qui c'est le Sud. Et yon utilise propre agence d'information pour yon annoncer que yon gagne yon ensemble anti-soft propaganda. Comprenez bien ça, vous le dites là. Même gens que Corée du Sud comprend bon, sans d'arrêt les papiers.
mettez dans bouteille, voyez yo pour aller dans Corée du Nord pour faire propagande. Yo même tout yo dit, yo fait même bagarre là tout. Donc c'était les propagande, un bon feuillet de propagande qui pour dénoncer Corée du Sud et défecteur yo tout. Yo planifié pour lancer yo à travers border là. OK? Parce que son réponse y a bas justement Corée du Sud qui fait ça souvent, qui prend des séries de feuillets de feuillets propagande qui montre Jean gouvernement pas bon, il était pour capable chauffer tête. Parce que pas oublier que Corée du Nord, lui surtout voulait gain contrôle information qui entre en dans pays. Parce qu'il pense que c'est information qui capable soulever population contre lui. Donc il gain que ça n'est les informations dans pays ça vraiment contrôlé. Et aussi tout énervé lorsque Corée du Sud entre dans logique prend un ensemble de feuilles propagande pour voyer bah, des citoyens pour ouvrir. OK? Donc nous voulons dire que dans moment c'est du tac au tac qui gagne tout parce que Corée du Sud bon côté pas fait grand réunion à préparer parce que dit ouais que c'est l'obligé prendre au sérieux côte à côte la préparer tout au cas où bagayota dégénéré. Donc nous gagnons un mouvement tac au tac à fait là gouvernement officiel lui justement yo en pile monde fatigué de bataille ça qui gagne entre justement entre Corée du Sud et Corée du Nord et il faut dire que pour comprendre cause ça c'est surtout Kim Jong-un les l'a fait ça tout il attend que pour les États-Unis ta réagir comme on pas faire rien ou pas et ou pas réduire embargo et bien mon connaissait alio moi dans mec de alio c'est toute la stratégie. Donc, parlant de pratique qui s'est voué pile feuillet de propagande et sous frontière là, lui utilisé à la fois par Corée du Nord et par Corée du Sud depuis pendant des années. Et militaire Corée du Sud yo toutefois été stoppé voué et bagay ça sous frontière depuis 2010 mais ces derniers jours yo recommencé à faire encore. Parce que ça relie des défecteurs, c'est des séries de monde qui quittent Corée du Nord dans Corée du Sud. Cap fait bataille ça, cap voyez justement dollar bill, mini radio, USB et ensemble de bagages ainsi que ensemble de feuillets y a voyé en Corée du Nord. Semaine dernière, nous avons Kim Jong-un et leader nation et il te permet et seul by de Kim Yo-chung et justement passer l'ordre pour te éclater ça des deux bâtiments ça qui servit pont de liaison pour négociation entre deux pays. OK? Kim Yo-chung en parlant de sœur de Kim Jong-un, il décrit Corée du Sud comme l'ennemi lorsqu'il a annoncé explosion ça qui sont avertissement le voyer baio que soon yo même tout, il a gagné pour yo briser, pour yo collapse même j'ai sauté éclater baio ça. OK? Et il dit clair en parlant de sœur Kim Jong-un, il dit moi exercer lorsque moi exercer pouvoir que autorité suprême là bas moi. OK. Voilà de Kim Jong-un moi ba instruction pour yo prendre zam. Département chargé pour mettre zam sur yo parce que ennemi nous mettez zam sur nous pour capable attaquer ennemi nous nek action. C'est déclaration ça qui est sorti dans bouche justement Kim Yo-chung qui c'est justement la sœur de Kim Jong-un qui font dire une jour dire c'est lui-même qui a mené show c'est lui-même qui a mené show de tension qui gagnait entre ces deux pays et c'est lui qui a fait tout gros plan yo dans moment là nous voulons parler de la sœur de Kim Jong-un. OK donc et donc au cas comprendre ça veut dire c'est que situation li compliqué donc situation en tournée janté et Corée du Nord elle a fait ça li simplement pas attendre li veut bouger les lignes voilà le mot il veut que pour les Américains bouger les lignes pour font gens parce que li bouquet avec embargo mais tout ça que le dit et donc voilà et rete branché et n'a suivre pour le dernier déroulement de cet événement ça et update n'a porter pour nous. Bye bye tout le monde.